De les ultras, aujourd'hui, on va essayer le jeu du maître, le jeu de Docteur Disrespect. C'est une pré-alpha, donc on va devoir faire preuve de tolérance. Vous avez vu que comment est-ce qu'il marchait son jeu, qu'est-ce que c'était. Ce n'est pas vraiment un Battle Royale, c'est un... Extraction Shooter. Extraction Shooter, guys. C'est un peu dans le même style que Escape from Tarkov, pour ceux qui connaissent. On va tout de suite essayer de sortir de cette zone en vie, tout simplement. Hop là, là normalement, vous avez l'ambiance sonore, un peu les ultras. Comment ça se passe? Toi t'es pour moi non? Ok. Le feeling est good. Des déplacements très lents. Je les verrai bien plus rapides. Je trouve que ce personnage il représente les petits NFT qu'il nous a filés. En fait, pour ceux qui savent pas, on va dire les plus gros créateurs de contenu, j'aime pas ce terme mais bon, du monde, mais il nous a tous filé un skin. Et ce skin, il nous est personnel, il est rien que pour nous. Et c'est un NFT grâce à la blockchain, machin. Et on va pouvoir le trade plus tard. Enfin, l'idée est marrante, l'idée est cool. À voir si le jeu à côté est bon. Je pense que je dois appuyer et je dois wait. Là, ça va commencer et juste... C'est pas ma sensi les gars comme je vous ai dit mais en vrai ça va pas mal. Enfin pas mal pour un crackhead c'est pas mal ouais sûrement mais... Ma man. Oula, petit lag. Les FPS qui sont tombés à 20. Graphiquement je kiffe l'ambiance. J'ai l'impression d'être dans le fin fond des ruelles de Tokyo. Mais pas les ruelles de Tokyo mignonnes, celles où on peut s'amuser au katana avec ton trou de balle, tu vois. Très sympa. Wow. C'est joli. C'est vraiment joli. Hein. On rappelle l'alpha de Battlefield, les gars, elle a fait peur à tout le monde. Hein. Genre vraiment. Elle a fait très très peur. Ok. Je crois que c'est des trucs à ramasser, non, tranquille, ok. Alors qu'est-ce que c'est? Ok, il y a un jeu de tir les gars. Sauf que ce jeu de tir, ok. On va pas trop viser la tête les gars, à cette distance. On va plutôt y aller dans le corps rapidement. Parce que le but c'est aussi une question de temps. Donc si je peux one-shot son niveau... Au Docteur Disrespect, let's go. D'ailleurs, Docteur Disrespect, les gars, pour l'anecdote que j'ai déjà vu en Suède. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà, c'est petite info à savoir. J'y étais moi en tant que joueur pro pour LDLC. Et c'est pour un tournoi d'H1Z1 où j'avais terminé dans les 15 meilleurs mondiaux, donc ravi. Et c'était à Jonkopin exactement. Et là dans une pizzeria juste à côté du petit Airbnb que je m'étais pris, il était là le boss. Il faut savoir que ce bâtard il est plus grand que moi. Ça c'est des trucs rares qui arrivent. Je suis 1m94, il fait 2m et quelques. C'est un titan avec sa grosse moustache, son petit sourire. Un amour le gars. Là c'est pour s'accroupir. Ah. 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 Ok. C'est match pour sprinter, chat. On en apprend tous les jours. Ok, nice. On peut descendre. Est-ce qu'on peut se suicide? Oh merde. Ok, il n'y a pas de dégâts de chute encore. Vive les pré-alpha, chat. Ok, bon, j'ai appris à courir. Donc, hop, on va courir. Je pense qu'il y a un truc par ici, à droite ou à gauche, à activer. Vu que j'ai buté les mecs à gauche, j'aurais plutôt dit que c'est à gauche. Mais on va se balader à droite, on va clair tout ça. On va en profiter pour regarder la vue, chat. C'est beau. Et c'est comme ça qu'une vidéo qui devait durer une heure en a duré deux. Oh, le flic, c'est pas lui.
Mec, j'entends les trucs s'activer, ça me stresse. Je suis en mode, mais attends. Attends, mais je suis passé où là? Mais je me suis perdu. Sens de l'orientation, zéro. Ah, c'est bon. Hop, j'ai retrouvé le sens de l'orientation. On accélère, chat. Le but, c'est de valider un bon score. On va essayer de faire un score correct. Ok, ok, ok. J'avance comme un mec du FBI, chat. Ok, il reste plus qu'une cible. Ah! Ok, 14 000, c'est déjà un meilleur score. On va tester, chat, le recul de l'arme. Du coup, tout simplement, test sur le mur, AG1. Pas tant de recul que... C'est marrant. Quand le chargeur s'arrête, vraiment, ça revient, mais à la seconde en place. Ok, c'est recalé vraiment exactement de où tu es parti. Par contre, c'est-à-dire que si tu lâches des sprays... Les sprays sont très difficilement contrôlables, vu qu'après, ça revient en bas. Et que t'es obligé de compenser, d'un seul coup il y a une sorte de gros à-coup. Ça, il faudra le gérer pour la sortie. Vous avez vu cet à-coup vers le bas? C'est parce que ben, en fait j'étais en train de compenser le recul jusqu'à présent. Intéressant. C'était le premier petit snapshot qu'on faisait du jeu de Docteur Disrespect. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. J'espère que ça vous a donné envie que je fasse les prochains. Pensez à liker, à commenter. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. On essaiera de lire un max vos commentaires. Je fais des bisous les ultras. Prenez soin de vous, c'était chaud. We'll be right back.